Salut tout le monde, salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau test pour Amatest avec cette fois encore du rétro. Bah oui, avec moi ça sera souvent ça. Hein. Donc aujourd'hui on remonte à très loin, plus de 30 ans, 32 ans plus précisément, donc avec un jeu de chez Namco, Rally X, donc qui avait été développé par Namco, publié par Namco et Midway, donc Namco et Midway qui étaient quand même des grands noms des salles arcade à l'époque, hein, faut retenir. Donc Rally X c'est quoi? C'est un petit jeu de course labyrinthique, plutôt sympathique. Hein. Oh là. La rime de merde. Donc, qui vous met au volant d'un espèce de buggy qui franchit en fait, qui se bat dans une espèce de labyrinthe. Donc, vous devez ramasser un certain nombre de drapeaux. Donc, c'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps parce que j'avais à l'époque sur un MSX. Il y a eu beaucoup de clones qui étaient sortis, notamment sur d'autres consoles, notamment sur NES par exemple. Mais bon, le mieux est de commencer, de vous montrer. Donc, vous allez voir, c'est un petit jeu vraiment sympathique, sans prétention, mais qui a le mérite d'être addictif pour. Enfin bon, allez, on commence. Alors bon, je tiens tout de suite à dire que là je suis pas sur une véritable version de Rally X, donc ça en fait je suis sur une version remasterisée, donc enfin remasterisée plutôt de recompilée si je puis dire. Donc, ça explique pourquoi l'écran de jeu est très différent. Parce que voilà, le truc de score, là, le radar et tout, ça devait être sur la partie droite de l'écran. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Donc en fait voilà, vous pilotez cette espèce de buggy bleu, vous foncez dans un labyrinthe pour ramasser des drapeaux. Qui vous permettront en fait de passer au niveau suivant. Donc chaque niveau a 10 drapeaux. Alors pareil, la musique est différente parce que la musique c'était pas du tout ça en fait. Voilà. Alors tous les 2-3 niveaux, il y a un niveau bonus à faire. Donc voilà, vous foncez, il n'y a plus aucune voiture qui vous course. Punaise! Tire-toi toi! Tire-toi, tire-toi, tire-toi! Carst! Cassez-vous! Ah, ça, c'est un reproche que je fais, c'est que les ennemis sont vraiment très, très, très agressifs. Ils vous collent, mais ils sont aussi monstrueux que les fantômes de Pac-Man. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va foncer chercher les deux en haut là. Alors, pareil, moi j'apprécie beaucoup le radar quand même qui aide pas mal. Parce que franchement, se repérer sans lui, c'est un vrai bordel. Dire bon, Rally X, il serait déjà qu'il est difficile à la base, mais alors sans le radar, ça serait carrément injouable. Oh putain, j'ai paniqué à cause du rocher! Oh, déconne pas, Dave, déconne pas, déconne pas, déconne pas, déconne pas. Grand instant de concentration. Casse-toi, toi. Alors tiens, j'ai une petite anecdote à propos de Rally X. C'est que Rally X fait partie des premiers jeux à avoir une musique de background. Parce qu'à la base, bon, les premiers jeux arcade n'avaient que des FX à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de musique, rien. Donc Rally X faisait partie des premiers qui proposaient ça. Sachant que le jeu est sorti en 1980, c'était une performance technique. Alors le jeu parfois était quand même, enfin je veux dire, les gens étaient quand même assez sidérés de la difficulté que Rally X présentait à l'époque. Donc pour ça, en fait, résultat des courses, Namco a écouté en fait les plaintes des gens et a sorti Rally, enfin New Rally X, qui était quand même une version un peu plus simplifiée du jeu, qui était quand même relativement moins difficile, mais qui graphiquement restait la même. C'était exactement le même jeu. Alors Rally X évidemment est sorti sous pas mal de compilations arcade, hein, dernièrement encore sous le Namco Museum Virtual Arcade, sorti sur Xbox 360, il est également disponible sur Xbox Live. Et toutefois, il y a une autre version dont on n'a jamais véritablement parlé, qui s'appelait Rally X Arrangement Version, qui est en fait une version arrangée, un petit peu comme les versions Dig Dug arrangées qu'on nous proposait dans les compilations Namco, une fois de plus. Donc je pense que je vous montrerai un petit peu la différence graphique que le jeu proposait à l'époque. Ah pareil, c'est une version qu'on a retrouvée dans aucune compilation actuelle. Ah putain! Et ce qui est bien dommage... Ce qui est bien dommage en fait. Parce que franchement c'est un jeu je pense qui méritait quand même qu'on en parle un peu de lui. Putain! Deux fois je vais me planter. Voilà. Donc vraiment bon, j'ai pas grand chose à dire. Autant dire bon Rally X c'était vraiment du jeu de base quoi. C'était le jeu, bon on jouait, on s'éclatait, on glissait sa pièce, il n'y avait pas vraiment de frustration, mais c'était quand même relativement difficile à l'époque.
Alors donc comme je disais, bon, le jeu a été porté sous la forme de différents clones, hein, BB Car, Driver, Radar Rat Race, un truc comme ça, enfin bon, tout est porté sur Commodore, et bien, enfin, pas mal de support quoi. Bon, je pense à peu près que j'ai tout dit, donc on va se quitter sur les images du gameplay du nouveau Namco, du nouveau Rally X que vous pouvez voir là. Donc, puis je vous dis donc à la prochaine. À vrai dire, c'est vrai que je vois pas trop ce qu'on peut dire sur un jeu comme Rally X, à part qu'il était quand même relativement difficile pour l'époque. Pas foncièrement simple, hein. Mais bon, c'était vraiment le jeu arcade de base quoi. On glisse sa pièce, on jouait, c'était pas une prise de tête. Et comme je le redis en fait, c'était... Voilà quoi, c'était quand même un bon petit jeu sympathique. Voilà, donc c'est un impondérable de Namco, si je puis dire, avec les Pac-Man. Donc sur ce, je vous dis donc à la prochaine, et je vous laisse profiter de la vidéo. Je suis vraiment désolé, je suis pas en forme aujourd'hui. En plus, je suis un peu troublé, parce que là, je suis pas tout seul chez moi, donc il y a des gens, ça parle, mais si ça t'entend pas, ça me déconcentre. Voilà, donc je vous dis ciao tout le monde, et à la prochaine. Allez, bye. Je vais s'admirer un peu plus ce gameplay.